Ces dernières semaines, les centres CityOS de Chicago ont renforcé leur sécurité suite à une série d'attaques menées par le groupe DedSec. Interrogée à ce sujet, Charlotte Gardner, porte-parole de Bloom, s'est montrée catégorique. La sécurité des citoyens est primordiale. Chaque centre de contrôle CityOS a donc été doté d'un service de sécurité. D'accord. Les gardiens de la paix hautement qualifiés ont servi dans les régions les plus dangereuses de la planète. En fait, Madame Gardner, ces gardiens de la paix sont d'anciens militaires devenus mercenaires. Certains ont un casier. Vous confirmez? En effet, ils ont servi dans l'armée, mais je ne pense pas que nous devons ostraciser des soldats qui ont fièrement défendu leur pays. Le réseau CityOS est parfaitement protégé, ce qui nous permet d'offrir aux habitants de Chicago le confort qu'ils méritent. C'était Charlotte Gardner, porte-parole de Bloom, sur la sécurité du CityOS. Bloom. Quand ton personnage s'appelle littéralement quand ta némésis s'appelle littéralement Bloom. Joseph Goldblum, c'était pas un méchant de. Il y a des routes et il y a un passage. Oui, je suis sur la route. Tu es sur un passage. Cherche-moi pas, je te passe derrière. Punaise. Allez, piéton, je vous jure. Il y a un feu vert là, merci. Là, le truc qui fait que tu vois ton jeu, tu pourrais le développer, c'est que t'as une voiture, mais t'as pas le moyen d'avoir des clignotants. Rien que ça, tu vois, ça changerait la vie du monde entier. La possibilité d'avoir des clignotants. Tu peux klaxonner avec ce véhicule? Je ne pense pas. Je suis même pas sûr que tu puisses déjà klaxonner de base. Ah, j'ai un feu stop, ok. Bon, bah, ils ont pas l'air d'avancer, bah je vais y aller. Hein, parce que c'est la tête. Hein. Ah oui, non, mais moi je suis un conducteur hors pair. Je... 5-6 ans que j'ai le permis, pas une seule tonche. Mais qu'est-ce qu'il fout, lui? The fuck? Bon, après... Malheureusement, je peux pas contrôler la vitesse assez bien. Je suis littéralement obligé de... D'à peine... appuyer sur le bouton. Ce qui en soi est... clairement compliqué. Je me suis mis sur la mauvaise voie. Alors, il se balade avec un flingue à la main? Non, c'est son téléphone. D'accord. Leur sécurité va être dure à passer. Mais j'ai pas le choix. Je veux savoir qui menace ma famille. À qui appartient la voix de l'appel téléphonique? Il faut donc que je sache. Ok. Et... Fétichiste des pieds, mon dieu. Je n'ai pas envie de savoir ce genre de choses. L'accès à cette zone est interdit. Interdit. Merci. Je... Oui, j'ai compris. Oula. Ça va? Covid-19, apporte ton masque, hein! Vulnérabilité détectée. Ok, bon, je suis dans une zone sensible. Est-ce que je vois des gens? Est-ce qu'il y a des gens? Il y a des gens. Va un petit peu. Il y a des gens, il y a deux, trois... Ah carrément il a une... Juste parce que j'aime casser les couilles. Merde. T'as rien à foutre ici. Ah merde, ah merde, ah merde, ah merde, ah merde. Ah non, 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 pas la SMG. Force spéciale. Voilà. Parce que... J'ai la cible en visuel. Ah merde.
suis. Ah putain. Ok. Je vais devoir réapprendre tout. Je suis une bite. Bon. Je vois clairement le genre de mission dans lequel je vais essayer de me planter. Localiser un garde disposant du code d'accès. Très bien. Ok, bon bah la priorité c'est... Je pense que je vais essayer de la jouer le plus discret possible. Si vraiment je peux pas faire autrement, je passerai en mode bourrin. Mais l'objectif vraiment ça va être de la jouer pure infiltration. Ok. Bon. Chopons les caméras. L'objectif, c'est de choper. On peut appeler des renforts. Très bien. Donc non, ce n'est pas ce que je veux. Je peux faire exploser. Diversion. Ok, c'est pas du tout ce que je veux. Ok, lui il a une caméra intégrée. C'est pas du tout ce que je veux. Déjà, on a fait le mauvais choix. Est-ce que... Ah voilà, meilleure caméra. Toi, je peux faire exploser. Panneau électronique, je peux déclencher l'alarme de la voiture. Une nouvelle caméra. Fantasme sur les zombies. Mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de savoir ça, sincèrement? Chariot élévateur. Je peux faire exploser. Bon. Pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé la personne qui peut me permettre. Ah, voilà! Salle des serveurs. Yes. Et maintenant... La salle des serveurs. Merde. Ah. Où est la caméra? Là. Merde. Moyen. J'ai l'impression que je vais pas réussir à aller à l'endroit où je veux. Non, non, non. Bon, là, il va falloir que j'y aille en mode couverture. Attends, est-ce qu'il y a quelqu'un là? Ouais. Fais des allers-retours. Il y a moyen qu'il me remarque pas. Faut juste attendre qu'il fasse demi-tour. J'ai reconnu ton pathfinding. Ok. Ok, ok. Play system, toujours intéressant. Très bien. Ok. Il va falloir que j'essaie de l'exterminer. Tu restes à terre. Et je peux pas sauver le corps? Oh non. Oh non. Je peux pas sauver le corps. Oh merde. Merde. Ok. Intrusion là-dessus. Ok. Bon, c'est pas plus compliqué que ça. Objectif, ouais, c'est assez clair. Et voilà. Ok. Oh. Ok. Oh, tous ces serveurs. Je pirate un peu. Pas ce qu'on se permet. C'était carrément chez quelqu'un. On dirait que le site iOS fouine dans les vies privées. Oh. Je comprends maintenant pourquoi DeadSec déteste le site iOS. D'accord.
D'accord. Non, mais la vie privée, vous savez, des choses, hein. Des choses comme une autre. Mais un plaisir, quoi. Non, mais je m'en fous. Alors, bon. Je vais pas pirater non plus tous les gens. Mais je veux déverrouiller ce truc-là. Ah, voilà. Quoi? T'es dans le City OS? Déjà? Oui. Exactement, j'ai le réseau devant les yeux. Toi, tu as ton accès, et moi maintenant, j'ai le mien. Le système du Profiler est en ligne. Il suffit d'un clic pour accéder aux secrets de tout le monde. Il indique même toutes sortes de trucs dans la zone. Je crois que ça pourra m'être utile. Ça va m'être utile. Garde un œil sur le trafic en ligne. Il y a peut-être des fixeurs sur le réseau. Si je peux les voir, ils peuvent me voir aussi. Ok, il faut que je bouge. J'ai fait pas mal de bruit, là. Laisse-moi le temps de tracer ton appel. Je te tiens au courant. Au passage, je viens de voir que tu m'avais envoyé un SMS, hein, mon cher Snake. Merci. Désolé. Le problème, c'est que là, pour le coup, tu peux même pas... Oh, merde. Ouais, maintenant, il faut que je sorte d'ici. Attends, il fait nuit déjà? Non, non, d'accord. Ok. Ok. Zut. Fini tour. Casse-toi. Vas-y, parfait. Là, je vais aller dans ce coin-là. Ah, je vais repartir comme je suis rentré, en fait. Littéralement. Clairement, tout se passe bien. Voilà. Tout va très bien. Faut juste... Attention. Et voilà. Et ça, c'est fait. Quelqu'un pour vous? J'ai besoin d'air, s'il vous plaît. Elle est partie où, ma copine? Attends, je suis obligé de quitter la zone et je m'occupe de toi juste derrière, ma chérie. Attends. Je... Désolé, je ne peux pas. Je suis actuellement dans une zone criminelle. Je m'occupe de toi juste derrière. Tu patientes? Merci, tu patientes. Oui, je sais que t'es... Faisons demi-tour. Voilà. Alors, accès au district débloqué. Merci. Je veux passer par-dessus. Ah, voilà. Mais non, c'est ça. J'ai besoin que tu me rendes un petit service. Je t'écoute. Ah, merde. J'ai signé un deal très lucratif avec un client très exigeant qui a besoin d'un chauffeur. Non. Attends, je t'explique. Ce matin, j'ai trouvé Maurice en train de creuser un tunnel pour sortir de sa chambre d'amis. Du coup, faut que je le change d'endroit. Bon, ce serait un peu à toi de t'en occuper, vu que Maurice, c'est ton problème. Mais c'est pas mon style. Je finis toujours ce que j'ai commencé, donc ce que je demande... Ok, c'est bon. Je m'en occupe. Non, mais je voudrais pas t'embêter non plus. Je t'ai dit que c'était ok. Faut faire quoi? Quel bâtard! Exactement. Quel bâtard! Escorter un type, c'est simple, non? Mais oublie pas que ma réputation est en jeu. Mon client paye prix fort pour avoir le meilleur chauffeur de Chicago. C'est son jour de chance. Oh, punaise. Et je vais devoir me diriger donc vers cette mission. Là pour l'instant je fais les missions principales parce que ça me permet justement de m'habituer un petit peu à tout ce bordel. Mais clairement, pour le prochain live, 15h18. D'ailleurs en plus c'est la fin de mon live en fait uniquement. Allez, on va continuer un peu. On va faire plaisir à mon pote. On va faire plaisir à mon pote et je vais aller lui rendre ce service, voilà. Je vais lui faire un solide. I will do a solid. Je te passe devant. Oh, c'était smooth. Alors, désolé, je suis un peu pressé. J'ai un live qui est en cours et qui devrait se terminer bientôt. Pas de feu rouge, pas de feu vert. Oui, je passe, je m'en fous, j'en ai rien à faire. Les États-Unis. Oh, je vais utiliser cet argument souvent. Oui, je suis aux USA, je m'en fous. Les gens sont fous, ils ont des flingues.
Je me balade littéralement avec un flingue que j'ai acheté ce matin. Aucun respect n'est à prendre. Hop là. Alors attends. Conduite accompagnée. Ok. Et je fais comment pour aller là-bas? Ah zut. La borne incendie. Ok. Ah bah voilà. Oui, voilà, il est conduit accompagné, démarre la mission. C'est quoi ça? Un fixeur? J'ai dû faire trop de bruit dans le loop. Il m'a localisé. Vous êtes l'objet d'une intrusion. Eh ben, ah. À moi de le trouver maintenant. Le contrat de Jordi attendra. 2x de tap. 2x de tap, il a voulu jouer les hackers plus hackers que moi. Eh ben, on va se marrer. Bien. Désolé pour ta voiture. Ça passe. J'ai dû défoncer des poteaux. Ouais, ouais, ouais. J'essaye d'être logique, mais bon, au bout d'un moment, ça reste un GTA like. Alors, piratage en ligne. Piratage par l'ennemi. You are being invited. Un fixeur a accepté un contrat dans un piratage en ligne et doit voler des informations en votre possession. Trouvez le fixeur responsable de la tentative de piratage. Votre rival peut se trouver aussi bien au-dessus qu'en dessous de vous, sur un toit, dans un véhicule ou encore parmi les passants. Utilisez les profilers sur toute personne que vous soupçonnez d'être le hacker. D'accord. Il est encore dans le didacticiel, hein, c'est pour ça que je continue. Bordel, il en a après moi. Et zut. Je le retrouverai avant qu'il pirate mon téléphone. Ok. Alors non, il est au-dessus. Il doit être dans une voiture, certainement dans le parking. Ouh là là. Alors voyons ça. Là, je suis à 13%. Il est au-dessus, hein. C'est ça. La zone de recherche. Allez, vite. Retrouve-le vite. Ah. Non, me dites pas qu'il était en bas. Eh merde, il était en bas. Et mais je suis le plus mauvais hacker de l'histoire de Watch Dogs. Ah, ça fait tellement longtemps que je me suis parmi un vrai jeu actuel, un vrai jeu récent, et des mécaniques de gameplay où je suis pas du tout doué. Ah, surtout pour la conduite de véhicule. J'ai l'impression de mieux savoir conduire dans la vraie vie que dans les jeux vidéo. Ça n'a aucun sens. Enfin, tu me diras oui. Si, ça a du sens. Les jeux vidéo, ils sont pas prévus pour être aussi réalistes. Allez. Et... mais elle est où l'entrée de ce garage? Oh, ok. Attends. Merde. Mais où est-ce que je suis? 78%! Dégage de mon téléphone, enfoiré! Pas le hacker. Où est-ce que t'es? C'est toi. Hacker identifié. Maintenant. Allez. Alors, je dois le tuer. D'accord. Putain, il court vite, l'enfoiré! Putain. Alors tu vas me donner ton véhicule tout de suite. Mes excuses, mais il y a un enculé qui est clairement pas compris dans quoi il s'est lancé. Allez,
Je vais te neutraliser. Je viens de faire quoi là? D'accord. Je viens de m'éjecter de ma voiture. Yeah. Non. Il est sur le point de s'échapper, l'enfoiré. Alors là, c'était vraiment n'importe quoi. Oh, c'était n'importe quoi, on est d'accord, j'ai fait de la merde. De la merde. Oh. Le mec vient de se barrer avec des données, mon téléphone, mon ma carte vitale. Il a tout pris. Ah mais non, on est aux États-Unis, la carte vitale, ça n'existe pas. Putain. Ah, je fais n'importe quoi. Ah. Ok. Contrat en ligne. Là, contrat en ligne. La grille indique les diverses activités en ligne des fixeurs, notamment les intrusions de type piratage, filature, le course décryptage, l'explosion en ligne, exploration en ligne et le CTOS mobile. Accéder à l'app via le smartphone ou la carte. D'accord. On s'intéresse à app moi. Contrat en ligne. D'accord, il y en a quand même pas mal. Il y a un piratage en ligne, un contrat. C'était la... J'ai fait de la merde. Course en ligne. Décryptage en ligne, exploration en ligne, filature en ligne, challenge CTOS mobile. Demandez si vous pourriez l'étage, pirater un ami, afficher le classement. Un fixeur concurrent a mis la main sur des informations que vous avez, récupérées. Pirater le téléphone du fixeur, installer un backdoor, récupérer les données et disparaître avant que le fixeur ne vous localise. Ne faites pas de mal au fixeur, les données que vous volez n'auront aucune valeur si le fixeur est blessé. D'accord? D'accord. Ok. Compétence de notoriété. Mission anti-véhicule, ce qui est pas mal. Boost de nitro. Ah, ok, ok. Je vois le genre. Les fixeurs sont des mercenaires. Ils travaillent pour l'argent. On a mis un contrat sur ma tête. Et c'est une putain de mauvaise nouvelle. Oui, oui. Surtout qu'il a réussi à se barrer. Ils utilisent la grille pour communiquer. Ok, bon, c'était foireux. Alors, c'est quoi cette musique? Merci. Mieux. Oui, je sais. Alors, contrat en ligne. Et donc... Oui, donc... Ouais, donc, pirater un ami, afficher les classements... Autant le faire tout de suite. Voyons quel type de contrat je peux remporter. D'accord. Je dois potentiel gain, plus 663, moins 120. Défense anti-piratage. Élevé, accepter. Accepter. Piratage en ligne. Un fixeur concurrent... Une de nos cibles principales vient d'arriver en ville. D'accord, wow. D'accord, donc je suis actuellement dans une nouvelle voiture. Comment ça se fait? Très bien. Où est la voiture que j'avais avant? Je ne sais pas. Pourquoi pas? Et je dois pirater ça en 4 minutes. Y'a un temps! Oh putain, y'a un timer! Ok! Oh zut. Pirater l'idée de Vince, mais épargner sa vie. Lancer l'installation de la backdoor. X pour commencer. Ok, là maintenant je dois rester, empêcher la cible de vous identifier. Ok. Et là maintenant je dois faire en sorte qu'il ne me trouve pas. L'objectif c'est donc que je reste dans la zone pour installer la backdoor et n'en avoir littéralement rien à foutre.
me faut. Il me faut clairement. Vos données ont été piratées. Merde, zut. Alors non. Au revoir. Zut. Non. C'est un zut. Aïe aïe aïe. Ah oui non mais il essaie de me tuer carrément. Maintenant il sait. Zut. Mais je suis une bite. C'est incroyable. D'accord. Non mais il va vraiment falloir en fait que j'ai un clavier, enfin une manette. C'est plus possible. C'est pas possible. Je mente clairement tout. Bien. Je peux retourner à la mission de Jordi. C'est comme un contrat de chauffeur. Je vais devoir déposer quelqu'un. Un peu comme un taxi, mais en mieux. Je sais pas si ça va pouvoir se mettre à jour tout de suite si je lui mets board. Je crois qu'il faudrait que je redémarre mon PC pour que la manette fonctionne. Allez, on va voir ça. Ah non, ça marche. Oh, mieux. Mieux. Déjà, je peux marcher. Déjà ça, ça me sauve des vies. Ça va sauver des vies. Maintenant, la question c'est, comme j'ai pas fait le didacticiel avec les touches, je sens que ça va être déjà un petit début. Ok, donc déjà, les couvertures c'est A. Vous êtes sûr que ça va ? Oui, ça va, t'as fait pas. Ça c'est A, voilà, le truc pour activer le profiling. La question maintenant c'est... En fait, maintenant, c'est surtout... Non, non, non. Option. Commande. Manette. Système de commande. Ok, entrée, descente du véhicule. Donc ça, c'est X. Très bien, par défaut. Non, moi, je suis pas gaucher. Je reste en par défaut. Se déplacer, recharger le smartphone, c'est le bouton du haut. Il y a aucun truc sur le bouton de gauche. Cours, passer les morceaux. Ouais, donc ça, c'est pour la voiture. Raccourci, point de navigation, viser, tirer, la caméra, le focus. Ce que je veux savoir, c'est surtout si je veux rentrer un véhicule. Non, si je veux... Je sors une arme. Là, je vais pas le faire ici parce que c'est clairement pas l'endroit. Alors. Oh oui. Là, déjà. Tellement mieux. Oh. Smooth. Smoothy. Quand tu peux choisir littéralement la vitesse de ton véhicule, c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Mais je pense que de toute façon, avec tout ceci, on a commencé à se lancer donc sur cette aventure de Watch Dogs. Il y a encore du travail, beaucoup de choses à faire, mais, je suis content déjà. Je suis content déjà que le jeu fonctionne. Bon, c'est un vieux jeu maintenant, c'est vrai. C'est vrai que le jeu quand même date un peu. Mais en soi, ce jeu est quand même pour moi un petit peu plus récent que la plupart des jeux auxquels je vais jouer le matin. Et je suis déjà suffisamment content d'avoir fait tout cela. Hop, on peut maintenant repasser au chat. Merci encore d'avoir suivi ce live en ma compagnie, d'avoir regardé cette vidéo, enfin ces vidéos, sur Madness Productions. Je viens de remarquer d'ailleurs en fait que ma transition a planté un peu, peut-être parce que bug, j'en sais rien, faudra que je recheck un peu pour voir tout ça. Merci à tous d'avoir suivi ce live en ma compagnie, c'était Dark Illyrion pour Madness Productions. Et nous nous retrouvons donc dimanche prochain pour un nouveau live. Il n'y aura pas de LEA cette semaine, le temps que je mette en place un petit peu de... On va dire que je setup un petit peu les choses, etc, etc. Il n'y aura pas de live avant donc dimanche prochain, donc nous nous reverrons à ce moment-là. Merci à tous et à la prochaine.